les plus petits mammifères du monde. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos. Bien que la petite taille puisse sembler un trait maigre, dans le monde biologique, elle peut présenter des avantages significatifs. Les petits mammifères peuvent occuper des niches écologiques inaccessibles aux animaux plus gros, et leurs petits cadres permettent de se cacher plus facilement sans être détectés, de s'enfouir dans de petites crevasses ou de grimper sur les branches les plus fragiles. Ils sont aussi incroyablement mignons. Voici notre liste de certains des plus petits mammifères du monde. Musaraigne étrusque. Très petite musaraigne grise avec des oreilles qui dépassent et un nez pointu reposant entre les jointures du pouce humain. Il y a beaucoup de minuscules musaraignes, mais ce pipsqueak prend le gâteau comme le plus petit. La musaraigne étrusque est le plus petit mammifère du monde en masse. En moyenne, il pèse moins de 0,14 onces et a une longueur de corps d'environ 1,57 pouces. Pour un animal aussi petit, cependant, il a un appétit énorme, il mange généralement environ deux fois son poids corporel chaque jour. Gerboa pygmée. Petite souris comme une créature avec de longues pattes et une longue queue. Les gerboises pygmées constituent la sous-famille des rongeurs cardiocraninés et sont les plus petits rongeurs du monde. Leur corps commence à 1,6 pouces de long et ils ont des queues jusqu'à 3 pouces de long. Pour leur taille, ces minuscules mammifères peuvent sauter. Les gerboas ont des jambes semblables à des kangourous qui leur permettent de franchir des distances dépassant de loin la longueur de leur corps, une adaptation qui les aide à se déplacer rapidement dans les vastes déserts arides d'Afrique du Nord et d'Asie qu'ils habitent. Chauve-souris bourdon. Gros plan de la main tenant la petite chauve-souris bourdon. Conservation des chauves-souris de Merlin-Tuttle. La chauve, souris bourdon, également connue sous le nom de chauve-souris à nez de porc de Kitty, est la plus petite chauve-souris du monde et le plus petit mammifère du monde en fonction de la taille du crâne. Pesant environ 0,07 onces, moins d'un centime, et d'une longueur de 1,14 pouces, il est si petit que vous pourriez en confondre un avec un bourdon s'il bourdonnait près de votre oreille pendant la nuit. Malheureusement, sa taille délicate est également révélatrice de son état biologique. L'UICN classe l'animal comme quasi menacé, et quelques populations perchées sont menacées d'extinction en raison principalement de l'activité humaine. Lémurien de souris. Petit lémurien avec une fourrure brun doré sur le visage, et une fourrure grise, blanche et brune sur le corps accroché à l'extrémité d'une branche mince avec des fleurs blanches fermées. Ces adorables créatures sont les plus petits primates du monde, mesurant jusqu'à 11 pouces de longueur, y compris leur queue. La plus petite espèce est le lémurien de la souris de Madame Berthe, qui mesure à peu près 3,62 pouces de longueur, et ne pèse qu'environ une once. Ces omnivores de la taille d'une balle molle mangent seuls et mangent principalement du « miella », un sous-produit sucré de la digestion des insectes. Cependant, bien qu'ils passent leur temps à se nourrir seuls, ils dorment avec d'autres lémuriens souris environ la moitié du temps. Moins belette. Petite belette brune et blanche avec un long écureuil moelleux comme la queue sur un morceau de bois courbé patiné. Cette petite belette capricieuse et sage est la plus petite espèce de aile d'ordre des carnivores, ce qui en fait le plus petit vrai carnivore au monde. Les mâles les moins belettes des d'Amérique du Nord n'atteignent que 7 pouces et les femelles atteignent 5 pouces. Ils pèsent moins de 1,5 onces. Il peut être difficile d'imaginer que quelque chose d'aussi petit soit un chasseur aussi rusé, mais la petite belette est le pire cauchemar de tous les petits rongeurs qu'elle rencontre. Ils présentent une personnalité beaucoup plus grande et féroce que ne le laisse penser leur petite taille. Possum pygmée. Souris comme un animal de la taille d'un doigt avec de grandes oreilles et un museau pointu minuscule. D'une longueur comprise entre 2 et 4 pouces et pesant souvent à peine plus de 0,35 onces, ces mini marsupiaux se trouvent suspendus la tête en bas dans les arbres en Australie et en Nouvelle-Guinée. L'UICN répertorie une espèce, le pygmée des montagnes, comme étant en danger critique d'extinction. Cette espèce a un habitat limité dans les régions alpines d'Australie. Les stations de ski, la construction de routes et les feux de brousse étendus ont entraîné la destruction de l'habitat. Le papillon migrateur de Bogong constitue une partie importante de leur alimentation et transporte l'arsenic des pesticides dans les aires de reproduction jusqu'à la montagne.
Les scientifiques pensent que c'est l'un des facteurs menant à la diminution de la population. Souris pygmée africaine. Petite souris pygmée africaine brune et blanche mangeant des graines. Les souris sont connues pour leur petite taille, mais la souris pygmée africaine pousse ce trait à l'extrême. Mesurant 1,2 à 3,1 pouces de longueur et pesant aussi peu que 0,11 once, c'est la plus petite souris du monde. Il est si petit qu'il reste généralement hydraté en léchant la rosée de minuscules cailloux qu'il empile intelligemment devant son terrier. Certaines personnes gardent ces souris elfes comme animaux de compagnie divertissants. Les propriétaires doivent cependant rester indifférents avec eux, car ils sont incroyablement fragiles. Ouistiti pygmée. Petit singe de profil avec une longue queue brun dorée avec des anneaux, des cheveux bruns et noirs, et gris sur le corps debout sur une branche d'arbre beaucoup plus grosse que le marmouset pygmée. Parfois appelé le « singe de poche », parce qu'ils peuvent facilement se glisser dans votre poche de poitrine, ces animaux adorables et curieux originaires de la forêt amazonienne sont les plus petits singes du monde. Il est difficile d'imaginer qu'un singe devienne plus petit, les marmousets pygmées présentent rarement une longueur supérieure, à environ 5,35 pouces et pèsent généralement 4,2 onces. Leur régime alimentaire est aussi unique que leur taille. Ils utilisent leurs dents et leurs ongles acérés pour creuser des trous dans les arbres et manger la sève, les gencives et les résines trouvées à l'intérieur, et aussi consommer des insectes. Les biologistes évolutionnistes de l'Université de Salford ont publié une étude en février 2018 annonçant que le marmouset pygmée est en fait deux espèces différentes. L'une qui vit dans la région nord du fleuve Amazon et l'autre dans le sud. Planigale à longue queue. Animal brun-gris qui ressemble à un rongeur sur le sable rouge. Originaire d'Australie, les planigales à longue queue sont les plus petits marsupiaux du monde. Ils pèsent moins de 0,15 onces et atteignent une longueur moyenne de 2,32 pouces, y compris la queue. Leur petite taille et leur tête aplatie permettent aux planigales de se faufiler dans les crevasses et les fissures que tout autre mammifère trouverait impossibles. Cette capacité leur permet de trouver de la nourriture et de se cacher des prédateurs. Leurs poches sont tournées vers l'arrière pour le garder propre pendant qu'ils naviguent dans ces crevasses. Ces féroces carnivores nocturnes chassent les insectes et même les jeunes mammifères presque aussi gros que le planigale. Musaraigne américaine molle. Deux petits animaux gris foncés avec de longs nez pointus sur le sol forestier éclipsé par des vrilles de mousse. La plus petite espèce de taupe au monde est la taupe musaraigne américaine. Ce petit mammifère mesure 4,72 pouces de long, y compris la queue, et pèse environ 0,35 onces. La taupe de musaraigne américaine n'a même pas d'oreilles externes et a des yeux minuscules qui sont presque invisibles. Trouvée dans le nord-ouest des États-Unis et en Colombie-Britannique au Canada, ces adorables habitants du sous-sol ont des pattes avant plus petites que la plupart des autres taupes, un trait similaire à une musaraigne. Ces taupes voyagent en groupe de 11 ou plus et passent plus de temps au-dessus du sol que les autres taupes. Musaraigne arboricole à queue en plume. Petite musaraigne brune et grise assise sur une branche d'arbre. La plus petite musaraigne arboricole du monde est la musaraigne à queue de stylo, qui peut peser aussi peu que 1,41 once et mesurer à peine plus de 5 pouces. À ne pas confondre avec les vraies musaraignes ou les musaraignes éléphants, les musaraignes arboricoles sont un groupe de mammifères mis à part. Les musaraignes arboricoles semblent étroitement liées aux primates, à tel point qu'il y a débat sur l'opportunité de les classer comme primates ou insectivores. Au lieu de cela, ils appartiennent à leur propre ordre, Scandantia. La musaraigne à queue de stylo est le seul membre de son genre. Parfois connu comme un fêtard, le régime alimentaire principal de la musaraigne nocturne est l'alcool fermenté du palmier Bertam. Il consomme des quantités équivalentes à 12 bières par jour, mais ne s'enivre jamais. Il consomme également des insectes et des petits geckos, qu'il attrape avec sa bouche mais utilise également ses mains pour tenir et déplacer les aliments pendant la consommation.